pour présenter son projet. Mais pour l'instant, d'abord, il faut qu'elle se présente elle-même. Bonsoir. Bonsoir, madame. Présentez-vous. Oui, moi, c'est Machete Motieyo Perrine, la candidate numéro 6 au concours Miss Wheelchair Cameroun. D'accord. Vous avez présenté un projet à la demi-finale de l'élection. Quel est ce projet? Quelle est votre vision de ce projet? Le projet en fait parle de la création d'un bureau d'apprentissage pour personnes à mobilité réduite. Apprentissage dans quel secteur exactement? Dans le secteur numérique, plus précisément dans le secrétariat bureautique. Et pourquoi avoir choisi ce secteur particulièrement? Oui, moi j'ai choisi ce secteur particulièrement parce que de nos jours, dans la société, les personnes à mobilité réduite sont un peu souvent mal vues en société et rencontrent souvent les regards pas très agréables. Bon, du coup, ils n'ont pas cette possibilité d'aller dans les écoles fréquentées. Et moi, je me suis dit que pour savoir, pour connaître du numérique, il ne faut pas seulement avoir les diplômes, une connaissance d'études. Parce que tout se passe aujourd'hui dans le numérique. Ça fait ça. Est-ce que votre formation, c'est juste pour les femmes en fauteuil roulant ou bien c'est pour les personnes handicapées en général? Et comment est-ce que ça va se passer l'élaboration de ce projet? Est-ce que c'est payant et pour combien d'années la formation dure? Déjà, le concours Miss Wheelchair Cameroun a déjà m'a d'abord permis de valoriser d'abord non seulement la femme sur fauteuil roulant, mais cette personne handicapée. C'est la raison pour laquelle j'ai mis sur pied ce projet. Déjà, la formation va durer 2 ans, minimum 2 ans. Et je compte former des personnes. Oui, de ce côté du paiement, comme vous demandez, moi, j'ai pensé à un moment donné ne pas leur demander une somme. Mais j'ai vu qu'en demandant, à ne pas demander une somme, ça va un peu être comme un laisser-aller où peut-être les apprenants ne vont pas venir. Ils vont venir quand ils veulent. Mais en demandant peut-être une somme de 5000 francs à l'inscription, ça leur permettra de s'appliquer là-dessus. C'est un peu ça. L'élaboration de votre projet. Après la formation, est-ce qu'une attestation est délivrée? Si, une attestation est délivrée. Pourquoi? Parce que c'est ceux-là qui leur permettront de s'exercer quelque part ou de créer leur petite structure pour pouvoir survivre à leurs besoins. Ce petit échange, j'ai beaucoup aimé votre projet. Nous savons, vous savez, Miss Wheelchair s'accorde à tout ce qui est rapport avec la promotion de la femme en fauteuil roulant. Donc merci à vous. Merci beaucoup pour l'attention que vous nous portez. Restez connectés. Maintenant, on va passer à la prochaine candidate.